Bonsoir à tous et donc merci de nous avoir invités comme ça. Ça fait longtemps que je suis l'objet de menaces de la part de Benoît en particulier parce que le cercle qui s'est déplacé dans une grosse quinzaine de villes avait tendance à s'arrêter à Bordeaux en estimant que ça commençait à bien faire. Et donc j'avais donné ma parole qu'on viendrait un jour à Toulouse. Je suis ravi d'y être. J'avoue à quelqu'un que c'était mon premier séjour depuis 40 ans puisqu'il y a 40 ans j'avais l'intention de passer une journée à Toulouse et à l'arrivée il y a quelqu'un qui m'a pulvérisé ma bagnole donc j'ai passé cette première journée à Toulouse à faire des constats. Le cercle du coin, ça commence à être une histoire ancienne puisque nous avons fondé ça avec 5 ou 6 amis français, belges et suisses en fin décembre 2015 à Genève. L'intuition c'était de faire une association ouverte, elle s'appelle pas du Bitcoin, elle s'appelle du coin. L'idée de base, c'était que les altcoins, les éthéristes et d'autres puissent participer avec les bitcoiners, canal historique. C'était évidemment de dépasser le périphérique parisien et même les frontières de l'Hexagone. On tenait beaucoup à cette dimension francophone. Et puis, au fait d'être ouvert, nos meet-up sont ouverts non seulement pour l'auditoire, mais également pour les orateurs. À des gens qui ne sont pas membres du cercle, parfois à certains qui ne partagent pas tout à fait nos idées. On a poussé la tolérance jusqu'à permettre à un Bitcoin Cash de s'exprimer. C'était quand même un exploit. Nos buts, c'est production et échange d'idées en langue française, parce qu'on estime qu'il y a quand même déjà beaucoup de production et d'échange d'idées en langue anglaise, donc c'est bien d'avoir, d'encourager, de fédérer toutes les initiatives qui se font en langue française, et puis également d'aide, dans la mesure de nos moyens, à toutes les initiatives de nature à faire connaître et aimer les crypto-monnaies. Donc depuis 4 ans, on a fait diverses choses, chacune évidemment pouvant être contestée parce qu'on a fait un événement un peu élitiste à l'école normale supérieure, avant on a sponsorisé un youtubeur, donc on peut nous dire la première fois, oh, c'est quand même très élitiste, la seconde fois, bah, c'est quand même un peu grand public. On a également converti des commerces à Paris au Bitcoin, et je sais que j'ai dû donner des autocollants à Samy parce qu'il avait réussi à en convertir également ici. On a sponsorisé des jeunes qui faisaient le rallye 4L et qui allaient porter du matériel scolaire au Maroc. On a également commis quelques actes de type solidaire. Une première fois en répondant à l'appel du SAMU social de Paris dans une opération contre l'exclusion numérique. On estimait que notre trésor de guerre, parce qu'évidemment les premières cotisations en 2015-2016, on n'a pas tout dépensé, on a bien fait, donc on a un trésor de guerre. On a fait un petit don au SAMU social de Paris. On a fait un don à une personne un peu en marge de la communauté, mais que tout le monde aimait bien, qui était en difficulté, ou plutôt dont les héritiers étaient en difficulté. Récemment, on a rejoint assez vite, c'est-à-dire au bout de quelques heures, l'initiative lancée par le journaliste Grégory Raymond de Capital pour que les dons en crypto-monnaie puissent être faits au bénéfice de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est une opération qui a un peu changé en cours de route, mais qui a abouti à ceci que depuis hier soir, je crois, la Fondation de France accepte les dons en Bitcoin et en Ether et affiche sur sa page les QR codes pour ce faire. Donc n'hésitez pas, même des sommes symboliques, puisqu'on pourra savoir non pas qui a donné, mais combien de personnes ont donné ce qu'elles ont donné. Nous-mêmes, on avait monté, avec l'aide d'un certain nombre de membres du cercle, dont Adrien, qu'il faut remercier, et d'autres qui ne sont pas là, qu'il faut remercier également, un collectif qui s'appelait Dame Crypto, qui avait recueilli l'équivalent d'environ 2000 euros, et qu'on va transmettre à la Fondation. On a aussi fait du tam-tam auprès de bitcoiners d'autres pays. L'important pour nous, au-delà de l'engagement de certains qui voulaient participer à cette restauration, c'est que si on peut dire que la Fondation de France accepte le Bitcoin, on n'aura quand même pas perdu notre temps et nos efforts. Voilà, que dire sur le cercle du coin? On a vraiment cessé d'être parisien, si j'ose dire, puisque sur 100 à 150 membres, 150 c'était en décembre, 110 ou 120 c'est ceux qui ont renouvelé leur cotisation, il y en a quelques-uns, y compris peut-être dans la salle, sur lesquels il va falloir taper. C'est toujours un peu lent, mais il y a une trentaine de corporate associations, des associations comme l'association Asset, des associations régionales comme Tahiti Blockchain,
des médias comme Bitcoin FR, le journal du coin, deux écoles comme les SILV et l'école de Eureka, des boîtes comme Ledger, CoinHouse, BitConseil, etc., des cabinets d'avocats, des gens qui font un peu tous les métiers possibles autour de la crypto-monnaie. Et puis 100, 110, 120, selon qu'ils sont plus ou moins en règle, membres, personnes physiques, qui sont là aussi à peu près de tous les milieux, avec une grosse majorité naturellement de développeurs, de chercheurs, de gens liés aux crypto-monnaies, mais également des gens qui sont fonctionnaires, des universitaires, des gens venus d'un peu tous les milieux. Parmi nos activités régulières, il y a également l'organisation de repas mensuels, là aussi ouverts à des non-membres. Voilà, est-ce que Adli qui fait je ne sais quoi, est-ce que j'ai oublié un élément essentiel dans la présentation du cercle ? Ça m'a l'air complet. Voilà, on tient beaucoup à la transparence, c'est-à-dire que la liste de nos membres est publiée, nos activités sont mises en ligne. On a longtemps survécu avec uniquement un compte en Bitcoin, mais on a dû... Voilà, le pire exploit qu'on aura réalisé, c'est d'arriver à avoir un compte en euros. C'est assez formateur. L'autre exploit, c'est d'arriver à déposer des comptes en Bitcoin, parce que ça, c'est quand même un grand début, moment en fin d'année. Au début, on dit que c'est simple, et puis quand il faut le faire en fin d'année, c'est pas toujours évident. Voilà, ça reste essentiellement un cercle d'échange, de production d'échange d'idées, et un cercle convivial. On tient beaucoup à cette dimension conviviale. Benoît, merci de m'avoir donné l'occasion de faire un peu de... Les adhésions, c'est sur lecercleducoin.fr/adhésion. Vous êtes pris par la main. Merci Jacques pour cette présentation impeccable. Donc j'espère que ça vous aura donné envie de rejoindre ce cercle sympathique. Moi j'ai pour mission de vous présenter BitConseil, donc c'est une entreprise toulousaine qui a fusionné récemment avec le journal du coin, donc je vais revenir sur ses initiatives. Et c'est dans la thématique de ce soir où la volonté était de mettre en fait un peu le focus sur des entrepreneurs toulousains qui évoluent dans ce secteur mouvementé des crypto-monnaies et des registres blockchain depuis plusieurs années. Donc figurez-vous que, bon, donc on a évidemment parlé de notre entreprise. On a deux autres entreprises qui sont CoinMarketCal, donc un calendrier économique dédié aux crypto. Et ensuite on verra... Digital Service, la société de Christopher Villegas et Pierre Guy Barège, donc deux associés qui tiennent cette entreprise. Et j'espère que, à nous trois réunis, on vous donnera envie d'entreprendre et de vous lancer dans ce secteur un peu fou des cryptoactifs, parce que le message, c'est un message en fait d'optimisme et d'enthousiasme. Donc voilà, je vais revenir sur BitConseil et je vais essayer de vous présenter. La société, il y en a qui la connaissent déjà. Je vais vous présenter aussi le journal du coin, donc peut-être qu'il y en a davantage qui connaissent. Vous connaissez sans doute tous un peu, mais est-ce que vous comprenez ce qu'on fait ou comment on en est arrivé là ? Ça, c'est tout le mystère de ce soir. Donc là, je reviens sur un bref historique de nos activités, donc comment la genèse de cette aventure crypto qui n'est pas de tout repos, sachez-le, donc entreprendre dans la crypto-monnaie, c'est jamais simple. Donc à l'origine, nous avons commencé avec bitconseil.fr, c'était un média d'analyse, donc il n'y avait pas de structuration juridique, simplement en fait une volonté de partager finalement un enthousiasme pour ces technologies-là, et un constat que finalement le public francophone, en comparaison du contenu produit par les anglophones, était finalement bien orphelin. Donc on a contribué à essayer de propager en fait l'enthousiasme autour de ces technologies-là, une meilleure compréhension. Voilà, on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice. On a rejoint évidemment le cercle du coin, hein, parce que vous connaissez le proverbe, c'est-à-dire que seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Surtout, c'est toujours sympathique en fait de retrouver des enthousiastes et d'apprendre des choses avec des êtres humains. Donc voilà, ce n'est pas uniquement virtuel. On verra qu'il y a la part communautaire à son importance en fait, même dans ces technologies-là. Ensuite, écoutez, on s'est beaucoup amusé, on a produit de l'écrit, et ensuite on a transformé en fait ce qui n'était finalement qu'une aventure éditoriale en une entreprise. Donc on s'est structuré en société, en SAS, en avril 2017.
Là, on a allié en fait aux médias des activités de formation, on est devenu organisme de formation, et aussi des activités de conseil en proposant l'accompagnement aux ICO. Ça tombait bien en plus. Alors là, on était dans toute la période 2017, donc vraiment une belle époque, même si à ce moment-là, on n'était pas très structuré pour en profiter pleinement. Hein, c'est-à-dire qu'on a vu vraiment un gain d'activité fou. Ensuite, il a quand même fallu tenir 2018, parce qu'après l'euphorie, ben, évidemment, comme le hangover hein, est arrivé. Donc, mais heureusement, on a trouvé en fait une stratégie qui a été simple, qui a été finalement de se réunir avec le journal du Cogne, qui avait une activité de médias florissante, qui s'était justement, eux, lancé en 2017, vaillamment, avec ben, nos associés d'aujourd'hui, hein, Romain et Lucas, que je vous présenterai après, qui étaient lyonnais à la base. Donc ça nous a permis de structurer nos activités autour d'un média, principalement le journal du Coin, et ensuite ben, évidemment d'essayer d'élargir nos activités. Donc là on a lancé récemment l'Académie BitConseil, c'est-à-dire qu'on s'attaque au marché de la formation, mais en e-learning, donc avec des formations, au développement de smart contract Ethereum, on verra. Et voilà, et les ambitions, ben, évidemment, c'est de croître, hein, de rester en fait productif au niveau médias crypto au sens général, parce qu'il existe d'excellents médias dédiés, hein, par exemple, à Bitcoin depuis fort longtemps. Je salue Bitcoin.fr hein, qui nous filme, et qui sont là depuis décembre 2010. Donc bon, là, c'est vraiment des vétérans de chez vétérans. Et nous, la volonté au journal du Coin, ça va être de traiter en fait l'ensemble du secteur, donc voir différents crypto-monnaies que certains pourraient considérer comme plus exotiques. Mais nous, on a peur de rien, donc on essaie de les traiter en faisant un minimum de sélection. Donc ben là, je vous présente l'équipe. Donc ça, c'est les six joyeux associés derrière donc BitConseil. La société, c'est BitConseil. BitConseil est organisme de formation et édite également le journal du Coin. Donc voilà, moi j'en suis le président. On retrouve Nazim qui nous a rejoint en 2017 au moment de la structuration de l'entreprise, qui fait partie des cofondateurs, Morgan, Robin, des frères, les frères Calmejean, élément essentiel, fin technologue, donc après des études de mathématiques et un passé de joueur professionnel. Donc voilà, ensuite on a Lucas et Romain, les deux associés cofondateurs du journal du Coin, donc essentiel aussi, dans le sens où on va voir qu'ils nous ça nous a permis, en fait, cette structuration en mai 2018, eh bien, de devenir une grande famille. Donc là, on a repris un petit peu l'organigramme de BitConseil et de Journal du Coin. On voit qu'il y a différentes activités. Donc il y a des activités technologiques à travers Market, qui est très récent. Ça, c'est porté par Nazim Moreira et ses associés. On voit les activités aussi de Trading du Coin. C'est une autre entreprise associée, partenaire de Journal du Coin. Donc ça, c'est des activités de trading qui intéressent toujours énormément, finalement, les gens. Et ensuite, on retrouve BitConseil et Journal du Coin. Et on voit un petit peu une expérimentation. Ça, c'est la branche recherche et développement qu'on verra. C'est France OS. Donc c'est, en fait, essayer toujours de rester au goût du jour en ce qui concerne les technologies blockchain. Donc là, on a un petit peu expérimenté sur un réseau particulier, alternatif à Bitcoin et à Ethereum, j'en reparlerai un peu. Et donc ce grand ensemble, ça fait à peu près 27 personnes. Alors c'est pas tout le monde n'est pas à temps plein, mais ça fait une belle équipe. Il y a des gens de partout. On est aussi on avait des gens qui étaient basés en Chine. On en a actuellement à Tahiti. On a eu des Béninois qui travaillent avec nous. En fait, l'avantage, c'est que vraiment, on découvre que la francophonie, c'est international. Donc, c'est 270 millions de personnes. Et ça se retrouve au sein des équipes. Je les remercie d'ailleurs. C'est très sympa. Donc, ben là, je vais vous présenter rapidement nos activités hein, pour qu'on voit ce qu'on propose. Donc et le motto, ça va être de l'information à la formation, c'est-à-dire que ça va être de grand public à informer et puis permettre une meilleure compréhension en rentrant plus dans le détail. Donc là, on voit cinq pôles, mais en réalité, on peut le résumer en deux. Il y a une activité de médias qui est délivrée par le journal du Coin principalement. Et ensuite, une activité d'accompagnement, de formation et de conseil. Et ça, c'est l'activité de BitConseil qu'on développe. Donc, et évidemment, l'autre aspect très important, parce qu'on parle de technologie, souvent on y voit de la finance, mais il y a l'aspect en fait communauté, c'est-à-dire que cette technologie ne marcherait pas sans les hommes qui sont derrière. Et donc on a une volonté finalement un peu de démocratisation et d'implication dans l'écosystème. Donc par exemple, c'est l'organisation d'événements comme celui-ci, en partenariat avec évidemment des associations ou d'autres acteurs, parce que ça nous aide beaucoup.
Donc mais là, on retrouve le journal du coin, hein, donc l'activité médiatique, qui est quand même souvent en fait la plus connue. Je suis curieux, j'aurais une question. Qui connaît le journal du coin ici? Eh bien, je vous félicite. Voilà, vous êtes, c'est un excellent média, vous avez raison de le lire. Donc, dans les objectifs du journal du coin, ben, il y a une certaine régularité. Donc, on s'astreint à produire 5 articles par jour, plus 2 longues formes de semaine, plus une chaîne YouTube qui est en fait très active. Donc c'est quand même un travail conséquent et régulier. Donc on va le retrouver après en quelques statistiques. C'est finalement une belle communauté également. Donc une communauté plus récente finalement que celle de BitConseil ou que celle de Bitcoin.fr. Et plus focalisée sur en fait des projets qui vont aller de Bitcoin bien sûr. Mais parce qu'on a nos maximalistes, attention, hein, et on en est très fiers. Voilà. D'ailleurs, j'en vois un dans la salle, on le remercie, Grégory, qui est très apprécié d'ailleurs de son lectorat. Et on essaye évidemment d'aller flirter avec d'autres technos. Et donc, on va retrouver ces petites métriques qui ont été construites en fait depuis 2017. Et on voit la communauté croître souvent et le reflet des cours. Ça, écoutez, je pense qu'il y aurait des études sociologiques à faire. On ne sait pas vraiment si les pics de personnes annoncent un boom ou si c'est en réaction. On n'arrive pas encore à anticiper les cours malgré le média. Pourtant, Dieu sait qu'on essaye. Hein, si on y arrivait, on serait très heureux. Bon, malheureusement, je vous annonce qu'on n'y arrive pas encore. Mais on y travaille. Peut-être que MarketCal nous filera des tuyaux sur le traitement de l'information par rapport au prix. Donc là, c'est les partenaires. Donc c'est les partenaires, c'est le trading du coin. Ça, c'est, en fait, ça répond à une demande. Les gens évidemment cherchent à anticiper les prix. Alors moi, je ne suis pas trader, bon, je ne suis pas capable de vous en parler, mais l'analyse technique finalement est une façon d'essayer d'anticiper l'évolution des cours. Donc on s'associe à des spécialistes de cette activité-là. Là, évidemment, je vais vous présenter donc BitConseil. Ben ça, moi, c'est la partie dans laquelle je suis le plus impliqué à titre personnel. Donc, ça va être le transfert des connaissances, la montée en compétences, l'accompagnement. Donc là, on retrouve la pédagogie, la communauté, organisation de conférences. Ça, c'est un petit clin d'œil au livre. Évidemment, je le fais toujours. Donc, n'hésitez pas à le lire. Il est excellent. Il y a mes co-auteurs qui sont présentement dans la salle. N'hésitez pas à leur poser des questions sur le sujet. Demain, d'ailleurs, avec le journal du coin, on fera un petit podcast, donc ça devrait être l'occasion de revenir dessus et de poser des questions assez sympas sur le sujet. Donc eh bien là, c'est l'activité de formation. Donc est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà suivi une formation ou qui aimeraient en suivre une? Bonjour dans la salle. Oui. Eh bien, je vous le recommande. Donc, il y a différents formats. On voit qu'on commence, en fait, finalement, à toucher des acteurs, on va dire, plus historiques et plus reconnus dans la région. Donc là, on voit l'école Innov. C'est des cursus formation initiale. Donc, on va des étudiants en informatique aux formations professionnelles. Donc, ça peut être des formations du droit et du chiffre. C'est-à-dire que c'est des personnes qui s'intéressent jusqu'aux développeurs. Donc c'est justement, ça fait partie de l'activité qui se lance en 2019. Hop. Et la dernière pierre à l'édifice, la plus récente en fait, c'est le lancement d'une académie en ligne avec pour but de proposer des formations à distance, autonomes, en vidéo. Et donc on s'est lancé, évidemment, quand on attaque l'Everest, on le prend toujours face nord. Donc on a pris le développement de smart contract sur Ethereum. C'est une science dure. On s'est associé à un développeur, Jonathan Serra, expérimenté dans le milieu. Et donc on propose ça, c'est un parcours de 13 heures. Pour l'instant, il a des bons retours, on vous le recommande. On va évidemment développer cette académie. Il y en a en France, à notre connaissance, qui propose des cours 100% en vidéo développement Ethereum. On n'en connaît pas d'autres. Donc évidemment, on vous invite à faire un tour dessus. Et donc ça va vraiment être l'axe de développement 2019, en fait, nourrir cette plateforme d'enseignement en ligne spécifique au secteur crypto. Voilà.
Ensuite, bon, on va vous parler aussi des choses rigolotes, hein, c'est-à-dire que là, il y avait les activités donc, professionnelles. On a les expérimentations, donc on va revenir mais finalement sur une exploration que certains peut-être ont suivi ou pas. C'était notre projet France OS, donc ça, on s'était lancé avec la société ADAP, développeur, on a fait une association, avec pour volonté d'être un acteur de l'infrastructure d'un réseau. Donc là, c'était plus technique, c'était participer au réseau EOS, et sachant que évidemment, on n'a pas fait ça que pour la beauté du geste, on avait une volonté commerciale de rétribution, et donc il faut savoir que quand on participe à EOS, normalement, si on est élu, on va être rétribué. Donc c'est la Bilderberg Blockchain, il y a 21 sièges que tout le monde veut se disputer. Bon, malheureusement, on les a pas eu, donc on n'a pas été rétribué, donc on participe encore, mais plus mollement, hein. C'est-à-dire qu'on a suivi l'écosystème, voilà. Mais vous pouvez jouer, c'est un peu le Game of Thrones des crypto-monnaies. Bon, il y a 21 sièges, mais ils sont vraiment très durs à atteindre, donc allez-y, nous on s'est brûlé les ailes, mais c'est une bonne techno et ça permet de rester à jour en fait niveau technique de ce qui se fait. Voilà. Et donc ben là je vous ai présenté en gros les différents pôles de la société. Évidemment, j'ai une dernière salle de conclusion, donc c'est pour la suite du parcours, mais la suite du parcours est simple. Hein. Le projet est simple, donc ça correspond à la saison. On se voit to the moon, hein, donc on espère bien croître. Hein. Je vous remercie pour votre attention. Donc, si jamais vous avez des questions, je peux y répondre. Si vous avez des incompréhensions ou des questions pièges à poser, n'hésitez pas. Et si vous n'en avez pas, j'estime que c'était clair. Ah, une question. Allez, Valentine, tu fais quoi comme formation à la fac de droit ? Alors, c'était une formation... Quelles sont les formations proposées à la fac de droit ? Donc c'était des formations ponctuelles, formations professionnelles, formations sur 4 jours. Donc c'était adressé essentiellement experts comptables et avocats. Le but était initiation en fait au secteur crypto. Donc il y avait 4 journées, une journée de remise à niveau, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Une journée dédiée un peu plus à la technique d'un point de vue conceptuel, les smart contracts, à quoi ça sert, cas d'usage. Une troisième journée dédiée aux ICO. Donc, cas d'usage typique, très très demandé des entrepreneurs, les levées de fonds en crypto-monnaie. Et la dernière journée, c'était cybercriminalité. Donc, un parcours en 4 jours, et il y avait de quoi faire. Hein, on a eu des bons retours. Voilà, et donc on va sans doute le remettre au bout du jour en 2020, et pourquoi pas faire peut-être un peu de formation initiale. Ça, c'est en discussion. Oui. Quelle activité vous fait vivre principalement ? Alors, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui nous fait vivre niveau revenu ? La générosité de nos lecteurs. Non, je plaisante. Sur le média, c'est un modèle, c'est la publicité, enfin, c'est le commerce, hein, c'est-à-dire que la promotion qu'on fait de certains acteurs. Et ensuite, formation conseil. Oui. Vous avez laissé dans l'aventure France OS. Quand on aime, on ne compte pas. Donc, on n'a pas compté, on n'a pas laissé tant que ça. Non, ça n'a pas été. Parce qu'en fait, les ressources. C'est-à-dire que si c'est du temps, l'énergie, on en a passé. Ensuite, au niveau coût financier, on a limité, mais parce que les ressources étaient internes. Donc, et puis, oui ? Au niveau de l'académie, quelle formation vous prévoyez après les smart contracts ? Alors, il y aura acquérir et sécuriser des cryptoactifs. C'est plus, en fait, ça sera plus débutant parce qu'en fait, on a une académie dont le niveau de difficulté est super hard. Enfin, en réalité, c'est pas vrai, hein, c'est adapté à toute personne qui s'intéresse aux smart contracts, mais il n'y a pas que les smart contracts dans la vie. Donc l'acquisition et la sécurisation de cryptoactifs, c'est le B.A.B.A., il faut le proposer. Ensuite, il y aura le juridique. Ensuite, plus sur Bitcoin et sur des cryptos à part entière. Voilà. Avec du travail, pendant que vous serez en vacances cet été, nous travaillerons d'arrache-pied. Oui. Pour les prochains événements, est-ce qu'il est envisageable de payer justement en crypto ? Oh, on accepte toujours les cryptos. Mais alors, si c'est la mêlée qui prend, je ne sais pas, il faudra demander à la mêlée, mais BitConseil prend toujours les cryptos. Alors non, alors effectivement, il y a des cryptos de prédilection, et là c'est le côté maximaliste qui reprend, bon, parce que il y a ce qui tient de la littérature, mais ensuite il y a quand même l'aspect business, et on préfère toujours Bitcoin.
On accepte aussi Ethereum, mais en général, en fait, les monnaies qui sont liquides sont acceptées. Et on s'en sert, nous, les paiements, donc on accepte des paiements en crypto dans notre business model, mais on ne les stocke pas en crypto. On a tenté l'aventure en 2018, on a vite été rappelé à l'ordre. C'est dommage, hein, mais c'est comme ça. Donc on se sert juste du moyen de paiement, c'est converti instantanément. Voilà. Mais évidemment qu'on accepte les cryptos, sinon qu'est-ce que c'est? Ce serait une mauvaise foi du pêcheur. Eh bien, je vous remercie.